Salut tout le monde, c'est Luyarz, j'espère que vous allez bien les gars. Alors oui les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube actuellement. Samitas, toujours même et toujours là, toujours vivant, toujours présent. Du coup, aujourd'hui ça va pas être une vidéo réaction, une vidéo divertissement, ça va être plus une vidéo où je vais vous parler vis-à-vis de vous, de pourquoi je suis absent depuis 2 mois là, pourquoi je fais plus trop de vidéos. Voilà, je vais vous expliquer à peu près tout ça. Donc ça va pas être une vidéo super longue, hein, je vous préviens, mais au moins, je vous donne des explications de pourquoi je suis absent et puis est-ce que plus tard je vais peut-être arrêter YouTube peut-être. Ouais, on sait pas. Déjà je vous rassure, j'arrête pas YouTube totalement. Du coup, déjà, pour commencer, de pourquoi j'étais pas présent pendant ces 2 mois. Plus tard, il y aura toujours aussi peu de vidéos parce que vous allez comprendre après. Alors déjà, il y a les cours. Donc là, actuellement, je suis rentré en terminale. Donc là, terminale, là, c'est le vrai. Là, à la fin, t'as le bac. Donc là, faut bosser, c'est pas chaud. En plus, moi, je suis dans un lycée privé, donc c'est plus exigeant. Donc là, faut vraiment que je bosse. Donc déjà, pour vous dire, je finis tous les jours à 17h à part le vendredi. Donc bah forcément pour tourner des vidéos ça va être galère. Et ça c'est compliqué. Parce que en même temps de des cours, je vais à la salle de sport depuis maintenant 1 an à peu près. Et puis du coup bah moi après les cours, bah soit je vais courir, soit je vais à la salle de sport. Donc pour vous donner une globalité de mon emploi du temps, ça donne ça. Je vais en cours jusqu'à 17h. Ensuite à 17h je rentre chez moi, je prépare mes affaires de sport, je vais à la salle en vélo, donc hop direct pas le temps. Je rentre de la salle vers 18h30, je mange, et dès que j'ai mangé, bah je fais mes devoirs. Et mes devoirs, c'est pas 30 minutes, hein. J'en passe une heure et demie pour bien réviser, pour bien tout connaître, et au moins voilà, je suis plutôt pas mal. Du coup au final, j'ai pas trop de temps pour faire des vidéos, donc déjà ça, c'est déjà un impact sur pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Et là vous allez vous dire, mais ouais, mais il y a eu les grandes vacances, et pendant les grandes vacances, bah t'as pas fait de vidéo, qu'est-ce que t'as fait? Sans vous mentir, j'avais pas eu la motivation et puis j'avais pas forcément trop le temps. Qu'avec le sport, je sortais avec mes potes, j'ai travaillé pendant une semaine, j'ai fait les betteraves, etc. Enfin voilà, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Alors certes j'avais du temps libre, mais je pensais pas faire des vidéos et ça voilà, c'est de ma faute. Je vous avoue, j'ai pas pensé à faire des vidéos. Et puis aussi pour vous dire, j'ai moins la motivation de faire des vidéos aujourd'hui qu'avant. C'est pour ça que du coup je vous sors moins de vidéos aussi, parce que j'ai moins la motivation de faire des vidéos et je sais pas. Mais puis même pour faire des lives, du coup c'est encore plus compliqué qu'avant, du coup voilà, c'est chaud. Mais vous avez toujours les shorts, les TikTok, etc. que je vous poste à chaque fois. Ça changera pas. Bon, sachez que du coup je fais beaucoup de sport, mais je sortirai pas de transformation physique comme tous les autres youtubeurs ont fait. Ça a été beaucoup trop refait et j'ai pas envie de faire une transformation physique. Voilà, certes, j'ai bien évolué physiquement, mais je vais pas vous faire montrer ma transformation à vous quoi, enfin voilà, même si vous aimeriez bien. Je trouve que le concept doit être trop été refait et puis voilà, j'ai pas trop envie d'en faire une. Tout ça assemblé, cours plus sport plus copine, parce que voilà, j'ai une copine et puis forcément je paraissais tout le temps cloîtré devant mon écran à faire du montage toute la journée et puis voilà, j'ai envie de profiter aussi avec elle, j'ai pas envie de la laisser de côté. Puis c'est important d'avoir une vie aussi, tu vois. Et puis aussi ce qui est plus important, c'est de se sentir bien soi-même dans sa peau, et c'est franchement ça, c'est ce qui compte le plus. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos si je me sens mal, donc j'ai envie de me sentir bien. Si je suis pas motivé à faire des vidéos, c'est la guerre. En fait c'est une boucle infernale, je sais pas, j'ai plus l'inspiration que j'avais avant à faire des vidéos. Et puis maintenant bah t'as les gros youtubeurs, donc pour faire des vidéos divertissement, voilà, c'est là la galère, donc ça laisse moins d'opportunités pour nous. Et puis bah du coup bah tu peux faire des vidéos réactions. Mais une vidéo réaction sur quoi? Tu fais une vidéo réaction sur des fleurs? Ouais, faut peut-être que je fasse des vidéos de sport, mais bon à chaque fois je veux faire une vidéo genre en mode je vous emmène avec moi avec mon micro, vous me voyez pousser à la salle, tu vois. Et puis à chaque fois bah j'y pense pas, j'oublie de prendre soit mon trépied soit mon micro, bah du coup à chaque fois j'oublie, je reporte. Au final bah ça fait 2 mois ou 1 mois là. Alors que c'est pour faire des vidéos gratuitement, voilà, vous emmène avec moi à la salle, ça peut faire quelque chose de gratuit et puis voilà quoi. Du coup, si je vous résume tous les sports que je fais en dehors du coup de l'école, je fais du tennis en club, j'ai des entraînements, je fais de la muscu, donc j'ai une salle de sport à côté de chez moi, plus la course à pied. Donc en soi, je fais du sport tout le temps. Pas tout le temps, j'ai quand même du repos. Je fais du repos, je fais mes devoirs. Je pense que le principal déjà, c'est que je vais essayer de recommencer à faire quelques lives. Ça serait déjà pas mal déjà, parce que comme ça, je parle avec vous pendant 1 ou 2 heures. Ça dépend de si j'ai le temps ou pas. Et puis les vidéos YouTube, bah, ça dépend de si je lance l'inspiration, si je trouve des concepts, si j'ai un bon truc, si vraiment voilà. Je pense que le prochain concept que je vais faire, ça sera plutôt un truc où diriger vers le sport, je vous emmènerai avec moi à la salle de sport ou quelque chose comme ça. Je trouve que cette vidéo elle est quand même importante pour vous de comprendre pourquoi j'étais pas là pendant un certain temps, et puis voilà, c'est plutôt important pour vous. Vous aussi les gars, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, au moins je peux comprendre, peut-être faire le concept que vous m'avez donné dans les commentaires. J'aimerais bien savoir, ouais, voilà, votre avis de ce que vous aimez voir, ce que vous aimeriez voir plutôt, parce que ça, c'est voilà, comme ça pourrait peut-être m'aider à trouver des concepts. Il y a aussi un truc là qui s'est passé il y a pas longtemps sur Instagram qui m'a plombé le moral un peu, c'est que bah, j'ai perdu mes 1000 abonnés. C'est la vie, voilà, j'ai perdu mes 1000 abonnés sur Instagram. J'ai mis 700, je suis retombé à 995, j'étais encore baissé. Donc honnêtement, petit coup au moral, plusieurs temps de travail pour au final perdre mes 1000 abonnés, c'est dur. Enfin, c'est pas dur, mais c'est frustrant quoi. Enfin, les réseaux sociaux, mes réseaux seront en description, du coup n'hésitez pas à vous abonner, hein. Voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura
permis de comprendre pourquoi j'étais pas là. Je vais essayer de faire peut-être des vidéos, des lives surtout du coup. Mais vous aurez toujours les réels, les shorts, etc. Ça changera pas une fois par semaine. Du coup voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pensez surtout, le plus important c'est de vous sentir bien vous-même, de pas vous forcer à faire des vidéos, voilà, forcément, essayez d'être bien vous-même déjà. Vous êtes bien, bah voilà, faites des vidéos tranquille et amusez-vous. Le plus important c'est de vous concentrer sur vous-même, de faire ce qui vous plaît, de kiffer, de trouver du temps pour les études, tout ça, parce que mine de rien, les études c'est quand même important. Moi, sachez que les gars, je vais très bien. Hein, je suis pas en dépression, je vis très bien, je suis très bien dans ma peau. Voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo explication de pourquoi, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, à YouTube, voilà, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui s'abonneront, ça fait énormément plaisir, merci les gars. J'espère que cette vidéo va quand même un peu marcher, que ça va pas faire 10 vues, parce que bon, à vous abonner, à liker. Ciao les mecs, passez une bonne soirée, ça dépend à quel heure sera la vidéo.